Je pense qu'il y a une légitimité de cette question, et quand on était d'un milieu populaire, qu'on habitait dans les HLM à côté, qu'on voyait à l'époque, avant le campus, il y avait les bâtiments militaires qui étaient présents, eh bien, la question n'était pas de savoir si on détruisait l'université, la question c'était est-ce qu'on avait la possibilité d'accéder à cet espace-là. Et cette question-là, elle est importante, et d'ailleurs, elle ne se pose pas simplement pour la France. Hein, quand vous voyez toutes les émissions qui sortent actuellement sur 68, c'est exactement la question que les mouvements noirs et les mouvements des femmes posaient aux jeunes blancs hippies privilégiés, en disant « Ok, vous, vous voulez tout détruire, mais en réalité, parce que vous avez tout. Nous, on a envie d'intégrer quelque part, quitte à critiquer ce système dans lequel on rentrerait, mais on ne peut pas se permettre le luxe qui est le vôtre. » Et moi, je me souviens très bien que l'idée même de pouvoir aller dans une fac, l'idée ensuite de pouvoir aller à la cité universitaire quand ma famille a déménagé puisque j'étais boursier, je le considérais comme une chance extraordinaire. Et je l'ai vécu comme une chance extraordinaire. Alors, ça ne m'empêchait pas, c'est pour ça que je me suis ensuite complètement intéressé à tout ce qui se passait, y compris dans le versant subversif par rapport à ta première question, entre approche modernisatrice et approche subversive, mais toujours avec l'idée, est-ce que cette subversion, elle fait bouger l'ensemble d'un système qui permet, y compris à des personnes qui en sont exclues, de pouvoir y trouver une place. Et de ce point de vue-là, la question de l'université au sens fort du terme, c'est-à-dire de l'universitas, c'est-à-dire y compris ta troisième question, la question que tu évoques à partir de Aaron, donc d'un point de vue critique, mais qu'on peut évoquer d'un point de vue, je dirais presque illichien, c'est-à-dire l'université en tant qu'espace d'interpellation et de délibération sur une société en pleine mutation. Et bien celle-là, elle était inscrite dans la géographie même de Nanterre. Parce que c'était la question urbaine. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Nanterre, on avait en face de nous les bidonvilles. Il n'y avait pas un arbre. Donc la question écologique, la question urbaine, elle était très fortement présente. La question du rapport au patriarcat, ben, je l'ai vécu comme toutes celles et ceux qui ont été à la cité universitaire et ont été marqués par exemple par le fait que l'histoire de la discrimination entre bâtiments des filles, bâtiments des garçons, était déjà au cœur d'une question qui est de nouveau toujours actuelle, c'est-à-dire comment à la fois l'intime, le sociétal et le politique sont présentes, ce qui est une des originalités fécondes de 68 et qu'on continue à revoir aujourd'hui avec tout le mouvement sur les violences sexuelles. Y compris l'histoire du bâtiment administratif, ce qui est important dans l'image, c'est aussi le symbole phallique, c'est-à-dire c'est une forme de lutte contre le patriarcat, et ce n'est pas par hasard s'il y a un lien avec la question des rapports amoureux à l'intérieur de la cité universitaire. Donc la question urbaine, elle est présente, la question du rapport au patriarcat, elle est présente, la question évidemment de la mutation du travail, on en a beaucoup parlé avec le texte sur à quoi servent les sociologues, elle est déjà présente et elle va continuer à prendre de l'ampleur. En fait, d'une certaine façon, les questions que posait déjà Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, le passage d'une civilisation du travail comme labeur, comme dépendance, comme pénibilité, à une civilisation de l'œuvre qu'elle posait en termes théoriques, eh bien, elle était présente avec toute la critique du métro-boulot-dodo, le fameux slogan « Gita, je t'aime » sur les murs de Sochaux, « Arrêtons de perdre notre vie à la gagner ». Et tout ça, c'est ça, l'universitas. La question militaire elle-même. Moi, j'étais très frappé du fait que, pour moi, ce qu'a été le premier ébranlement profond de ce qui se passait dans ce lieu-là, c'était la présentation
de ce qui a été la première pièce du Théâtre des Amandiers avec Pierre de Beauche, Adieu que la guerre est jolie, dans des bâtiments militaires. Ça, c'était d'une force absolument extraordinaire. Or, ça renvoie à quelque chose qui est, à mon avis, trop peu évoqué, c'est le lien entre 62 et 68. 62, c'est-à-dire à travers la fin de la guerre d'Algérie, le fait que pour la première fois depuis des siècles, la société n'est plus structurée par le rapport à la guerre. Que la question de va-t-on partir à la guerre ou va-t-on être dans des conditions d'éventuellement y partir qui structurait toute l'organisation sociétale. Moi, je me souviens que mon grand-père était mort d'avoir trié ses papiers et en lisant son livret militaire, j'avais vu à quel point tout était organisé par rapport à la guerre. Que ce soit la période scolaire et éducative où il s'agissait de former de futurs soldats, le moment où on était mobilisable, le moment où on était réserviste, et puis après arrivait la quatrième période, qui était le moment où on était bon acheté, on était des rebuts. Donc ce moment clé qui illustre en même temps le démantèlement du terrain militaire et son remplacement par un campus qui vient incarner ce bouleversement absolument fondamental, qui est que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe si une société n'est plus structurée autour de la guerre ? Évidemment, c'est un bouleversement radical du côté des hommes, mais c'est aussi un bouleversement radical du côté des femmes, du côté des enfants, etc. Et cette espèce d'ouverture et en même temps de vertige qui commence à s'opérer à ce moment-là, il y a pour moi un sens profond qui était incarné ici dans le remplacement des bâtiments militaires par le campus, qui est justement la question qui s'ouvre et en même temps qui est vertigineuse, qui est la question qu'allons-nous faire de nos vies ? C'était à la fois la question de la mutation du travail, la question sociologique évoquée à travers le texte « Pourquoi des sociologues ?», mais c'était plus radicalement encore la question « Qu'allons-nous faire de nos vies dès lors que justement nos vies ne sont plus structurées par le rapport à la guerre ?» Pour les mêmes raisons, c'était aussi la question mondiale qui était présente. Puisque à travers l'interaction, ce qui était tout à fait passionnant dans ce qui se passait ici, c'était qu'on n'était pas dans un bocal, et c'était pas simplement le lien entre Nanterre et puis ce qui se passait ensuite avec la Sorbonne, etc. C'était le lien avec les luttes du monde entier qui se faisaient, et le fait que 68, c'est une fracture sociale et culturelle mondiale, d'est en ouest, du nord au sud, etc., et qu'à travers les batailles sur le Vietnam, et à travers aussi les échos qu'on avait de ce qui se passait à Berlin, à Berkeley, etc., c'était en permanence cette interaction-là qui se faisait. Donc là, oui, c'est l'universitas, c'est l'université hors les murs, mais pas au sens de l'intégration dans ce qu'on appellera après le modèle néolibéral, et pas non plus dans la perspective de la destruction de l'université, mais d'une universitas qui est capable de prendre en charge ces questions-là, la question urbaine, la question de la mutation du travail, la question du patriarcat, la question de l'avenir de l'au-delà de la guerre, etc. Et donc, du même coup, c'est la raison pour laquelle moi je plaide aujourd'hui sur le fait que les questions de 68 ne sont pas derrière nous, mais devant nous. Parce que quand je reviens du Forum social mondial qui vient de se tenir à Salvador de Bahia, et ben d'une certaine façon, la question de Marcus dans Eros et civilisation, c'était la question concrète qui se posait au moment où l'assassinat d'une jeune noire élue des favelas, Marielle Franco, et comment on réagit quand il y a un déchaînement de Thanatos de cette nature, et comment cet appel à l'Eros en tant que force de vie devient le ferment central de la capacité d'une réponse, et d'une réponse qui, à ce moment-là, y compris une réponse mondiale, une réponse de l'ensemble des forces de vie. Et à ce moment-là, ben, tous ces éléments que, d'une certaine façon, Nanterre incarnait à travers son lieu, à travers la question urbaine, l'au-delà des bidonvilles, à travers l'au-delà de la guerre et la question militaire, à travers l'au-delà du patriarcat et ce qui jouait dans la cité universitaire, à travers les autres formes de rapport au pouvoir, etc., tout ça, c'est des éléments qui, pour moi, sont restés lumineux et absolument passionnants, bien loin de ce que je voyais au passage des groupes d'extrême-gauche où j'avais pas les moyens critiques
de le critiquer, mais où j'avais l'intuition que c'était certainement pas du côté néo-léninisme, maoïste, etc., qu'il y avait quelque chose à chercher. Et après, des livres comme Michel de Certeau sur l'inédit de 68, la récupération des langages antérieurs, la prise de parole, ou des livres comme La Brèche viendront mettre en quelque sorte des mots sur ces intuitions, mais l'idée profonde que 68 et Nanterre dans cette espèce de fratal de 68 vient justement à ce moment-là où se clôt la grande période de ce qui a été l'hégémonie culturelle du modèle social-démocrate, hein, qui est très au-delà des formes politiques. De Gaulle a été un social-démocrate, la plupart des courants conservateurs étaient dans le modèle social-démocrate, c'est-à-dire un moment historique marqué après la Seconde Guerre mondiale par la perspective de la croissance purement matérielle et évidemment sans aucune interrogation écologique, un modèle industriel et la perspective de l'État-nation. Et 68 anticipe l'explosion de tous ces éléments. Simplement, comme ils n'y répondent pas, ou alors de façon fragmentaire, à cause de ce que pointe Michel de Certeau sur le fait que l'inédit 68 n'a pas de langage à sa disposition, et que c'est certainement pas le langage d'extrême-gauche et de la construction partie révolutionnaire sur des modèles néo-léninistes qui est complètement à côté de la plaque par rapport à ces questions, eh bien c'est paradoxalement la révolution conservatrice anglo-saxonne qui va y répondre. Parce qu'elle va prendre en compte la question mondiale sous une forme régressive en instrumentation simplement du côté de la globalisation financière, mais elle comprend qu'on ne peut plus raisonner simplement dans le cadre de l'État-nation. Elle va entendre la question culturelle et même spirituelle, mais elle va y répondre de façon régressive en collant un modèle de croyance régressive, notamment religieuse, par rapport à une greffe hypermoderniste. Elle entend la question de la mutation technologique et la sortie du modèle industriel de production, mais elle y répond là aussi sur la modalité régressive et purement compétitive. Eh bien, il me semble que dans cette approche fractale de 68 qui commence à Nanterre, ça n'est pas par hasard, c'est la réponse à ces questions-là. Qu'allons-nous faire de notre vie? Qu'allons-nous faire de notre espèce? La grande question du devenir de l'humanité. Qu'allons-nous faire de notre planète? La grande question écologique, qui sont déjà présentes, au moins à titre intuitif. Et personnellement, je garde un souvenir absolument lumineux d'avoir eu la chance de vivre cette période-là ici.